je peux vous proposer des armes puissantes et des armures impénétrables. Si toutefois j'arrive à me ramasser... Le corps. Il prend trop de risques. J'ai forcément ce qu'il vous faut. Je dois... Carita. Je vous propose les dernières découvertes médicales. Les formules alchimiques... Venez me voir si vous avez besoin d'aide. Thank you.
d'elle, architecte de son état, organise un séminaire vendredi prochain. Il donnera une conférence sur les ponts modernes et les techniques d'équipement. Je peux peut-être revenir. Mais. Médecine est l'art de soigner les autres. Médecine est l'art de soigner les autres. Ayez crainte, ne vous arrivera rien. Le peuple doit se réveiller, crier sa colère. Yeah.
mes amis, j'ai des sangsues toutes prêtes. On va lui montrer que les Borgia savent recevoir. Pas ce fainéant, on a un assassin. On va lui montrer que les Borgia savent recevoir. Pas ce fainéant, on a un assassin à faire rôtir. On va lui montrer que les Borgia savent recevoir. Pitié, laissez-moi partir. Ah Borgia, on va tuer cette vermine! Bande de fainéants, on a un assassin à faire rôtir! Forza Borgia, on va tuer cette vermine! Forza Borgia, on va tuer cette vermine!
montrer que les Borgias savent recevoir. Bande de fainéants, on a un assassin à faire rôtir. Ici, nous soignons tout le monde. L'ancienne tannerie a accepté de percevoir une indemnité pour fermer et ouvrir un côté du type à deux pas du camp d'Omaccio. J'ai récemment trouvé de nouveaux fournisseurs. Toutes les économies que j'ai réalisées, c'est vous qui avez bénéficié. On peut savoir à quoi ça. Je me demandais, Cesare vient vous border tous les soirs ? Entrez ! Même si vous n'achetez rien ! C'est rampé devant les volants et plus vite que ça ! Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Dites-leur. Rien, le plaisir est pour moi, mais c'est... Avete qualche esprit? Faites plaisir à votre corps. Bene, bene. À une prochaine fois.
n'accepteront plus de se laisser injurier. Nous vous remercions de vous montrer courtois à Dieu. Un peu de courage, ne partez pas comme ça! Une place de choix en enfer. Oh, oh. Vous mériterez une place de choix en enfer. Andiamo! J'ai un élixir. Très bien. Revenez quand vous voulez. Ezio Auditore! Entre, entre donc! Entre où je t'égorge! Bartolomeo. Attends, je vais te présenter ma femme. Pantasilea! Pantasilea! Où est-elle? As-tu regardé sous la table? Ah, la voilà. Enchantée de vous rencontrer. Moi aussi, vraiment. Bon, parlons de cette guerre. Oui, cette bataille contre les Français. Bene, mes hommes se défendent plutôt bien. Machiavelli m'a pourtant fait part de ses inquiétudes. Tu connais Machiavel. Général, nous avons besoin de votre aide, ça ne peut pas attendre. Scusatemi. Passe-moi Bianca. Ezio, je vais aller droit au but. Ce conflit dégénère. Nos défenses s'étirent sur deux fronts. Les Borgia d'un côté, les Français de l'autre. Mais rien n'est perdu. La position des Borgia est faible. Si vous la faites tomber, nous pourrons concentrer nos forces sur les Français. Je sais comment vous aider. Merci pour ces informations, Madonna d'Alviano. Aider mon mari est le plus important de mes devoirs. Vous avez entendu, leur chef ne doit pas atteindre cette tour! Grazie, amico. Quand le peuple aura vent de vos exploits, il reprendra.
sera enfin débarrassé de ses fermiers. Je sens que ça va m'amuser. Quelle poisse! Ezio, grâce à nous, ces salmoviettes détalent comme des lapins. Oui, à nous. Les chiens du pape ont pris la fuite. Je vais donc pouvoir rameuter de nouvelles recrues. Mais il faut d'abord renforcer nos baraquements. Qui va s'en occuper? Je ne suis pas doué pour ces choses. C'est toi l'érudit, à toi d'approuver les plans. Va bene, mais en retour, je veux que tu surveilles Cesare et Rodrigo. Tes hommes peuvent-ils garder un œil sur eux? Bien sûr. Ça, c'est la solution. Une affaire vite conclue. Je vous remercie. Alors, que dis-tu du résultat? Très impressionnant. Nous sommes plus nombreux chaque jour. La compétition fait rage entre mes hommes, et c'est tant mieux. Regarde ce panneau. Il indique le classement de nos meilleurs combattants. Si tu fais tes preuves, tu arriveras en haut de la liste. Ne devrais-je pas déjà être en tête? Le combat de Jan va bientôt commencer. Si tu veux démontrer tes talents, tu peux participer. Maintenant, pardonne-moi. J'ai tout misé sur ce combat. Où est Bartolomeo? Il assiste au combat. Sa méthode est si simple et brutale. Pourtant, la stratégie est tout aussi importante. Prenez ces pigeons voyageurs, par exemple. Machiavelli a attaché à chacun d'eux le nom d'un célèbre templier vivant à Rome. En les éliminant, vous serviriez votre cause plus que n'importe quelle bataille. Merci, Madonna. Pourriez-vous demander à Bartolomeo de me rejoindre sur l'île Tibérine? Je veux savoir si les Borgia ont été localisés. Comptez sur moi. Vous avez contracté la malaria? Ne paniquez pas! Construisez une arche.
rien faire et mes hommes s'impatientent. Surtout, n'hésitez pas à passer. Là soldats de métier seront engagés, mais des postes du... J'aimerais bien, mais c'est impossible. La prochaine fois, nous arriverons à nous entendre. Qu'elle ait été vide.
Romulus exige qu'il marche. L'assassino doit souffrir autant que Rémus. Borgia, tu ne sais rien. Je sais qu'ils te font parvenir des lettres codées. Prouve ton innocence. Dis-moi où tu as caché ce code. Jamais. Arrêtez ça, vous allez finir par blesser quelqu'un. Quelle joie de te voir. Non. Il est comme ça. Yeah. Ils sont fous.
Thank you.